Bonjour à tous, première vidéo sur le suivi des semis au format court. J'en avais parlé dans la précédente vidéo. Ça fait des petites vidéos que je vais rajouter dans la semaine, enfin en tout cas une par semaine, pour vous montrer l'état des semis à la fois dans la serre, hein, en serre froide et dans la maison. Alors bon, pour l'instant ça va être assez rapide, on est mi-janvier, il n'y a pas grand-chose de mis en route. Dans la maison, sur le bord de fenêtre, pour l'instant, il n'y a rien. Ça, je ne démarrerai pas avant le mois de février, bien avancé. Et dans la serre, il n'y a pas grand-chose non plus, mais j'ai démarré avec des semis de saison, hein, qui sont des semis normaux. Hein. Moi, je vous rappelle, je suis en Bretagne, pointe ou à l'ouest, en tout cas, de la Bretagne, pas très loin du bord de mer, donc dans un coin qui est presque intégralement hors gel. Donc, je peux me permettre de démarrer les semis assez tôt. Et là pour l'instant en semis, alors j'ai pas grand chose, c'est quelque chose que je vous avais déjà montré quand je les faisais sur d'autres vidéos. On a de la laitue, j'ai de la reine de mai, qui est comme ça. Alors ça c'est des semis qui ont été faits début janvier. Là aujourd'hui on est le 15, donc ils ont 15 jours, pile poil. La levée, ouais, ça fait quoi? Ça fait 3-4 jours. Donc ils ont mis une dizaine de jours à peu près à lever, ce qui est plutôt normal en cette saison, parce qu'il fait quand même frais. Et autrement, là à côté, j'ai de la laitue bowl, qui est un peu moins bien sortie, qui a un petit peu filé. On va voir si ça tient ou pas. Voilà. Ici, autrement, j'ai des poireaux qui sont pas sortis. Pour l'instant, c'est normal. Hein. Les poireaux, dans des bonnes conditions, ça met... Ouais, ça peut mettre facilement une 12-15 jours à sortir. Là, on n'est pas dans les conditions vraiment optimales, en tout cas en termes de température, donc c'est normal que ça traîne un peu. Et ici, un petit pot qui est tout seul, ça c'est juste un test de levée. Voilà, ça c'est du poireau d'été. Et ça c'est un test de levée de mes poireaux d'hiver. J'étais pas sûr de la qualité de mes graines, donc je fais un petit test avant de faire le semis. Hein, le semis, je le ferai plus tard, mais là, voilà, c'est un petit test de germination pour voir ce que ça donne. Pour vous donner une idée de la température que j'ai moi dans le coin actuellement, vous voyez, je vois parce que le reste de la France est pratiquement gelé partout et nous la nuit, vous voyez, on est à 4,5 cette nuit, donc c'est pas très froid, c'est pas chaud, mais c'est pas très froid. Et là dans la serre, on monte à 15, il n'y a pas beaucoup de soleil. Donc là on est en serre froide, hein, c'est important que la serre reste froide, hein, parce qu'une serre même en hiver, là, ça peut monter, elle peut facilement monter à 25, et j'ai eu des pics fin décembre à 29. Parce que j'étais parti et que je l'avais pas ouverte. Et donc du coup, voilà, la mémoire du thermomètre me donnait 29. Donc 29, c'est pas bon du tout, hein, ni pour ce qu'il y a dedans, ni pour des semis. Donc il faut ventiler, il faut ventiler, il faut pas que ça chauffe de trop la serre froide. Alors ce type de semis, ça marche bien en serre froide, par contre faut pas faire ça sur les bords de fenêtre. Si vous démarrez ça dans la maison à 20 degrés sur un bord de fenêtre, ça va filer direct. Ça va sortir plus vite, mais ça va filer direct. Donc voilà, c'était voilà, la première petite vidéo. Format brut, vite fait, sur le suivi des cultures. La semaine prochaine, normalement, je ferai des semis d'oignons, oignons roses de Keravel, et ça devrait être tout, hein, pour l'instant, c'est tranquille, on n'est que mi-janvier, faut pas s'énerver trop avec les semis. Voilà, bonne journée à tous, bye bye!